L'association Mouvance Caraïbes, ça veut dire le mouvement des alternatives novatrices dans la culture, l'environnement et le social. C'est une association que nous avons créée en juin 2017. Par exemple, nous avons fait le Grand Midi Minuit des Déchets en juin dernier. Donc, l'idée était de rassembler les associations autour de la récup et de proposer des ateliers participatifs afin de montrer au public qu'est-ce qu'on peut faire avec des déchets, l'économie circulaire. Encore un grand mot, le déchet qui est considéré comme en fin de vie, en fait, nous le considérons comme une ressource. Donc c'est tout un travail qui est fait autour de cette économie circulaire. Le but étant, sur le plan social, de montrer aux habitants qu'en se mettant tous ensemble, on arriverait à construire de grands projets. Nous ne sommes pas peu fiers d'avoir été sélectionnés par le ministère de l'écologie pour mon projet pour la planète. Donc un projet national avec 1200 projets et nous avons été 44 à être sélectionnés. Et notre projet, c'est de fabriquer des vélos qui produisent de l'électricité pour charger son téléphone et pourquoi pas en cas de cyclone, de produire de l'éclairage, donc de l'éclairage d'urgence. Et sur ce projet, donc, nous avons travaillé en collaboration avec les associations qui sont le Fab Lab de Jarry et la Ressourcerie des Arts pour construire un vélo éco-designé et au rendement performant. Nous travaillons sur un projet également avec le Parc National de Guadeloupe, de mettre en place des cases à insectes pollinisateurs. Donc, vous savez que la pollinisation est un problème mondial et nous travaillons avec un entomologiste, un agriculteur pour expérimenter un hôtel à insectes et observer les abeilles et essayer de produire un prototype qui va permettre d'augmenter la population d'insectes pollinisateurs.